Bonjour, bienvenue à Décorum Spécialité. Salut Bernard, salut Gaétan, ça va bien? Yeah. Donc de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Bernard? Ben, Gaétan m'a fait le défi du Ice Bucket Challenge et j'ai dit que je répondrai à ce défi lors du prochain enregistrement de Décorum. J'attends toujours d'ailleurs. Et voici ma réponse, non. Non, j'ai dit que je répondrais, pas que je le ferais. Et pourquoi non? Premièrement, parce que je suis égoïste et deuxièmement, parce qu'il y a une cause qui me tient plus à cœur que la maladie de Lou Gehrig, c'est l'épidémie d'Ebola. Pourquoi? Parce que Lou Gehrig, c'est pas contagieux. La maladie d'Ebola, c'est contagieux. C'est une épidémie qui peut se transformer en épidémie mondiale, en pandémie. Et si on reprend l'an 1300, la peste a tué 75 millions de personnes quand il y avait 100, non, une personne sur deux, il y avait 150 millions à cette époque-là. Le choléra, une personne sur dix à Montréal, une personne sur dix à Québec. La grippe espagnole, 1918, entre 20 et 100 millions. Oh. Donc, c'est quelque chose qui est... Ils disent... Bon, les spécialistes disent, bon, c'est pas si contagieux que ça, ça se peut que ça vienne pas ici, mais il n'y en a pas un qui a dit qu'il n'y a pas de chance. Puis, pas si contagieux que ça, il y a un Américain qui l'a pogné, il est arrêté au Nigeria, il l'a donné à 15 personnes. S'il n'était pas, arrêté en cours de route, ça ferait 15 Américains qui l'auraient eu. Puis, 15 personnes qui l'ont, ça veut dire qu'ils peuvent le donner à 15 personnes, ça fait 258. Si 258 le donne à 15 personnes, ça fait 3000. Mais c'est comme donner au suivant avec C'est comme donner au suivant. Voilà. Et que ce soit vrai qu'on puisse avoir des bons systèmes pour arrêter ça, tout le monde est d'accord sur une chose. C'est mieux de l'arrêter là-bas qu'ici. Là-bas, c'est comme un peu un feu de camp qui est plus facile à éteindre qu'un incendie de forêt. Et il y a des manières très simples de l'arrêter là-bas. Tu n'as pas besoin de médicaments super. Dis, si ton système immunitaire est fort, mais si tu n'as pas d'informations, tu as de l'eau pas potable. Alors, les organismes comme la Croix-Rouge et Médecins sans frontières font un travail fantastique là-bas. Ce sont des héros, selon moi. Il faut les encourager. Moi, je l'ai fait. Je suis allé sur leur site Internet. 5 minutes, t'as rendu putain. Et aussi, je trouve que franchement, l'Ice Bucket Challenge, tout le monde le fait. Et on commence quelque chose d'autre. Aujourd'hui, je lance tout le monde à travers la planète un nouveau défi qui, nos rives sud, va sauver la planète. Aujourd'hui, nous allons canceller l'apocalypse Ebola et nous lançons le nouveau défi qui est le Chocolat Bar Challenge. Donc, un jeu symbolique, un jeu symbolique. Et là, je défie donc Axel Laroche, Raymond Drack et Glictovut, qui sont les réalisateurs les plus sociaux de Kino Montréal. Jean-René Dufort, qui est un biochimiste. Finalement, je vais vous dire quelque chose aussi, honnêtement, là. Moi, les affaires de prenez la glace, faire des stepettes, des simagrées. Non, 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 le Ice Bucket Challenge, c'est pas pour moi. Mémoire, carte mémoire. Défi aussi au Chocolate Bar Challenge, il est en maudit.